Bonjour mes petits jumeaux, j'espère que vous allez bien, moi ça va. J'ai une box à vous présenter, sauf que je n'ai plus la box. Il y a eu un petit problème dans la livraison. Elle a été écrasée et puis j'ai retiré le plastique qui est juste là. Hop, j'ai le plastique encore, voilà, de la box. Elle était quand même grande, hein, voilà. Elle faisait la moitié de ça, voilà, elle faisait ça. Et la boîte était toute pliée. Et comme je ne savais pas ce qu'il y avait dedans, je voulais pour pas voir. Et puis j'ai fait sur Insta aussi, je l'ai ouvert sur Insta. Et puis il y avait des petits morceaux de frigolite en S et mon chat jouait avec. Et du coup j'ai un peu bazardé tout ça pour qu'il ne trouve pas toute sa frigolite. Du coup on va vous présenter ça. C'est une belle box. Du coup je vous présente. On a reçu du bon thé, le thé étable. Je connais pas ceci. Je vais goûter. Je sais même pas c'est à quoi. Naturel, ah non, feuille de thé noir, arôme naturel, réhabel, ouais, c'est du naturel quoi. On goûtera ça. Puis j'ai eu un petit élastique qui est trop mignon. J'aime bien ces élastiques avec plein de trucs de Noël. Regardez, on voit pas bien. Là, il y a une chausson, des boules. Là, vous voyez une petite chaussette. Vous avez les sucres d'orge, les petits glands, voilà la couture. Voilà, j'aime beaucoup ça. On a eu des petits bonbons dans un petit sachet comme ça. Je ne les ai pas mangés encore. Parce que j'ai un peu peur. Je crois que c'est dû à l'érable. Et je ne suis pas fan de l'érable. Je vais essayer de vous montrer un peu plus. Ils sont feuilles d'érable. Et comme je ne suis pas trop fan, je ne sais pas. Je vais demander peut-être à monsieur s'il ne veut pas goûter avant. Du coup, ça se représente comme ça. On a eu 5 petits bonbons. Voilà. C'est une box de Noël. Je ne vous ai pas dit, mais c'est pour avoir un livre de Noël. Puis, dans ce petit sachet que j'ai retiré, que j'ai pas encore mis à laver, c'est des petites chaussettes avec un petit elfe. Enfin, un petit elfe. Vous avez compris. Je viens de tourner une autre vidéo et c'est catastrophe. Petit cerf. C'est Russell, je crois que c'est. Il est trop beau, j'aime beaucoup. Du coup, j'ai plus qu'à les laver. Et pour finir, le livre, c'est. Il est trop beau. C'est de Nathalie Piroge. Piroge, je crois que ça se dit comme ça. J'ai le livre de poche chez Fabana. J'y passe mon Noël au Canada. J'aime beaucoup. La couve est trop belle. Et du coup, dans cette histoire, je vais essayer de lire. Une journaliste spéciale dans le voyage, Anater, est une Parisienne épanouie, au caractère bien trempé. Seule l'ombre au tableau, son débatteur de chef, décapeur en chef, qu'elle déteste. Quand il lui propose une réalité de article sur un hôtel Saint-Bert, elle saute sur l'occasion. Bye bye la grisaille. Bonjour le soleil et la plage. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu. Car attiré correspond à de la colère et sa meilleure amie Laurence non pas dans les îles mais dans un grand nord du Canada par moins 30 avec une valise remplie de bikinis de prime. Elle est très mal accueillie par Jonah je vois pas Maraché, le directeur bourré de Dawson, l'hôtel sur lequel elle doit donc prendre des papiers entrée tempête de neige, animaux sauvages et rencontre amoureuse de Noël annoncée en couleur. Voilà, j'aime beaucoup. Je compte le lire. Du coup, j'ai pas fini aussi parce qu'il y avait ça. J'ai eu le marque-page. Il est trop beau. Marque-page.
mettre le roman dans votre vie de Noël. Puis j'ai eu un petit sticker. Une petite touche de stickers. Voilà. Et là, c'est marqué. Mettez la romance dans votre vie. J'aime beaucoup. Et puis, ça que j'adore. C'est tellement rare, mais je suis contente. C'était un magnète pour mettre sur le frigo du livre. Voilà. Et j'ai eu une petite dédicace de sa part. Voilà. Je compte le lire bientôt. Il me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup cette histoire. Voilà, je pense que je vais essayer de finir le mien, ma lecture et lire celle-là juste après. Voilà, mais 1er décembre, sauf que j'ai un livre à lire par jour. Voilà, c'est ça. Voilà, du coup, on verra bien quand je le lirai, mais j'espère le lire bientôt. Voilà, sur ce, je n'ai rien d'autre à vous dire. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà découvert, ce petit livre. Si vous avez pris la box, si vous le voulez retrouver, vous allez sur. Je vais essayer, si je pense, je vais mettre dans la barre d'infos. Vous allez sur son site et vous commandez. Voilà. Ou vous allez chez Nathalie Piroge. Piroge, je vous mets comme ça, vous verrez bien. Si je pense, je vous mets en barre d'infos et elle fait vos commandes. Et voilà. Et c'est très chouette. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous.